Good morgen. Allez, Iden, les sutres aujourd'hui, le Nishmat, Mourabi, Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Shlomo Benjamin, Ben Manzal, Rachel, Rachel, Bat Sarah, Shimon, Ben Kouka, ainsi que leur fouette, Sarah, Bat Betty Rivka, Felson, Ben Chemalia, Myriam, Matrasida, Edo, Ben Yudit, Betor, Shachol, Israël, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contre 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechat Roulin, Per Exein, Mishnah Gimel, Ha Ochel, Migida, Nashé, Kazait, Sofeg, Arbaim, Achalo, Ve Enbo, Kazait, Chayav. אחר מזה כזית ומזה כזית, סופג 80, רבי יהודה אומר, אינו סופג אלא 40. משנה, très courte. Les dernières משניות, elles sont vraiment courtes. Bon, tant mieux, vous avez gagné. Des fois, on a des cours qui nous font 20 minutes. Là, ça compense. C'est un peu désagréable pour moi de vous faire un cours de 3 minutes. Ça fait, je pense à cœur qu'à cause de moi, vous allez étudier moins aujourd'hui. Mais bon, étudiez deux fois la Mishnah, au fait, très rare de la Mishnah précédente. Pour le moment, on avance. Maintenant, on s'intéresse à savoir combien faut-il manger du guidanaché, du nerf sciatique, pour être passible de malkot. C'est un interdit de la Torah. Comme tous les interdits de la Torah, lorsqu'on les transgresse, on se fait frapper 39 coups. Et la question de savoir combien faut-il manger. Aochel mi guidanaché kazaït, celui qui va manger du guidanaché, du nerf sciatique, une quantité de 1 kazaït, c'est-à-dire. Une fois qu'il a disséqué, qu'il a retiré le gros nerf, le nerf du nerf sciatique, ouais, il arrache un bout, et si on le mesure, il fait le volume de 1 kazaït, un volume d'une olive de l'époque, 27 cm3. Il a mangé qu'un kazaït, sauf Egarbaïm. Il se fait frapper les 40 coups. D'accord? Comme tous les interdits, interdit de manger du halouf. Eh bien, on mange un kazaït de khalouf, on se fait frapper, on n'a que 39 coups. Idem, et à chaque fois, il faut toujours manger un kazaït. Pareil pour celui qui mange un animal qui n'a pas été égorgé avec shrita, et ainsi de suite. Maintenant, là, il y a un petit chidouche. Achalo ve enbo kazaït chayav. S'il a mangé tout le guide anaché intégralement, mais qu'il n'avait pas dedans un kazaït, eh bien, il est quand même chayav. Là, il y a un grand chidouche qui s'appelle une notion qui existe dans la Torah, qui s'appelle birya. Beria, Bria, en fait, en hébreu, Beria, on a pas ça dans la Gemara en général, mais Bria, une créature entière. Vous savez que dans plein de sujets de la Torah, on donne une importance à ce qu'est une créature entière, que même si elle n'a pas la quantité requise, elle le va entraîner plusieurs halachot. J'en ai un exemple simple, dans l'Hilchot Brachot, il y a par exemple, je crois que c'est à Sansafek, le jour où on va écrire Sansafek, si on mange un fruit entier mais qui n'a pas une dose d'un kazaït, faut-il faire une bracha harona? Ouais, normalement quand on mange, si on veut faire une bracha harona, bon nefeshot, par exemple, si j'ai mangé des fruits, je dois manger nécessairement un kazaït, un volume d'une olive. Et si j'en mangeais moins, je ne suis pas passible de kazaït. Je ne dois pas faire la mitzvah de bon nefeshot. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai pris une créature entière, comme une cacahuète, qui est petite, mais qu'une créature entière? Est-ce que je fais cette fois-ci bon nefeshot ou non? C'est une marloquette et on ne fait pas pour la halakha. Mais malgré tout, dans plein de halakhot, on remarque qu'on donne une importance à ce qu'est une créature, même si elle n'a pas la quantité. Idem avec, là c'est ce qu'on est en train d'apprendre, avec le guide anaché. Le nerf sciatique, imaginez que vous avez réussi à retirer un nerf sciatique d'un tout petit mouton, et ça vous est sorti quelque chose de minuscule, mais que vous le mangez entièrement. Quelqu'un le mange entièrement. Eh bien, puisque là, c'est tout le nerf sciatique d'une seule biria, d'une seule créature, alors il prend lui aussi un statut de biria, de bria, de créatures entières, et dans ce cas-là, on est passible de malkout. Et si vous n'avez pas compris, je vous promets qu'on non plus. D'accord? Parce que c'est pas une créature entière, c'est juste le nerf sciatique. Et dans ce cas-là, ils expliquent un peu le principe, c'est que le fait que ce soit une chose que la Torah elle a donné un interdit spécifique, donc on se moque, en fait, est-ce que s'il y a la quantité ou pas. Si la Torah elle me dit, tu mangeras pas la cacahuète, et ben tu manges pas une cacahuète, tu transgresses. Tu mangeais la cacahuète, t'es passible de malkout, même s'il n'y avait pas un kazaït de cacahuète. Parce que tu as mangé toute la chose que la Torah interdite. En fait, c'est le même principe en fait, qui est expliqué ici. Alors, maintenant, il utilise le mot michoum des briaou. C'est une bria, mais en fait, on explique en fait, c'est pas vraiment bria. D'accord? C'est des petites finesses, en tout cas, vous avez compris le principe. Manger toute la chose que la Torah interdite, on transgresse, on est passible de malkout, même s'il n'y avait pas les quantités. À propos, il y a même aussi la même chose aussi avec celui qui va manger une fourmi. C'est avec Mara Makot, elle en parle. Achal putita. Ça s'appelle une putita. Araméen, eh bien, il sera frappé 6 fois, 6 malkout, parce qu'il transgresse 6 transgressions, 4, 5, le mal fait un décompte entier, même s'il n'y a pas un kazaït de fourmi, parce que la Torah interdit la fourmi, elle a une importance indépendante.
tel quel, donc on est passé de l'autre. Ensuite, achar mizé ou mizé kazaït, ça fait que je m'enlève. S'il a mangé de lui un kazaït, achar mizé kazaït ou mizé kazaït, un kazaït, un volume d'une olive de là, et un volume d'une olive de là. On parle de quoi exactement? On parle d'un même animal, et il y a deux nerfs sciatiques. Eh bien, quelque chose de très original, c'est que le sophèque chmoné, c'est qu'il va être frappé 80. Je pense que chaque nerf sciatique de la jambe droite ou de la jambe gauche, chacun c'est un interdit indépendant. Ce qui n'est pas le cas avec les graisses interdites. La Torah l'interdit de manger les graisses interdites. Il y a plusieurs. Les graisses qui sont sur la panse, les graisses qui sont au-dessus du foie, au-dessus des reins, par exemple. Imaginez que vous prenez un kazaït de lait de ci, un kazaït de là, et vous, en fait, comme ça, vous allez manger les deux étimes. Je vous avertis, si vous allez manger du khelev, vous allez être passible de malkout. Et quelqu'un, il va les prendre les deux en même temps, il va les manger en même temps. Combien il va devoir, combien on va le frapper? Est-ce qu'il va transgresser un interdit, très gros, ou il va transgresser deux fois l'interdit? Sur ça, là, la khan est nette. Il a mangé un seul gros interdit, il sera frappé une seule fois. Même s'il a mangé deux zaïts. Et bien pour le guide de Naché, c'est pas la même chose. S'il y a, puisqu'il y a deux guides, il y a deux nerfs dans l'animal, chaque nerf, il a un interdit spécifique. De ce fait, si on a pris un kazaït de là, et un kazaït de l'autre côté de la jambe gauche, de la jambe droite et de la jambe gauche, et après je prends les deux, j'en fais une boulette et je les mange les deux en même temps, par exemple, et bien je serai frappé deux fois, selon le premier avis, sauf que Shmonim, il sera frappé. Donc, achal mizé kazaït, il a mangé de là, de celui-là, un kazaït, un volume d'une olive. Ou mizé kazaït, et de l'autre, un volume d'une olive. Sauf que Shmonim, il sera frappé 80. Le bartender, il explique. Donc, parce que. Il n'a pas précisé, lui, je ne sais plus où je l'ai vu, apparemment, dans le petit verset d'Israël qui explique ça plus longuement. Et il nous explique parce que chaque nerf, c'est un interdit indépendant. Donc, de ce fait, on peut aussi déduire. Imaginez, il y a un très long nerf, mais que de la jambe droite. J'ai pris un kazaït de là et un kazaït de là, je les mange les deux en même temps, je serais passible que d'un seul malkout. Parce que j'ai transgressé une seule interdit de manger celui, le nerf sciatique. Ok, on continue maintenant sur la suite de la fin de la Mishnah, le dernier avis. Rabbi Yehuda Omer et non sofeg al arbaim. Selon Rabbi Yehuda, il ne sauvera que 40 coups. Et là, c'est parce que Rabbi Yehuda, il pense que le guide anaché de la Torah, ce n'est que la jambe droite et pas la jambe gauche. Ça fait depuis le début du Pérec que je tirais ce problème, j'avais un doute, j'avais quelque chose de flou. Non, ben voilà, c'est marqué ici dans la Gemara, c'est rapporté dans le Bartender, de Rabbi Yehuda, et non, et la Pécha et la Mine. Selon Rabbi Yehuda, le guide anaché ne correspond que la jambe droite, et de ce fait, la jambe gauche, il n'y a pas d'interdit de la Torah, donc on n'est passible que 40 si on a mangé que 40 coups, et pas 80, parce qu'on a pensé qu'un seul interdit de manger le guide anaché, qui implique que la jambe droite, donc. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.